Si, c'est bon, il y a le DK qui va. On a le chasseur qui est AFK par contre. Ouais, vas-y, vas-y. Il y a que deux ennemis au moulin. Et paf, le moine. 1v1, easy. C'est mon serveur, j'ai une grosse merde qui tague un MJLR, il est horrible. Et dès qu'il meurt une seule fois, il insulte tout le monde et se passe caché dans un endroit pour atteindre la fin du village, c'est un virage. Je suis sûr que t'as dû déjà tomber dessus. Mercator? Ouais, mais il a été mais non. Ah, tout le monde le connaît, Mercator. J'arrive, c'est deep, tiens bon. J'arrive, j'arrive. Fais juste reste un ours et AO. Je te raise. C'est bon, c'est bon, je te raise. Ah, t'avais déjà une pierre d'âme, c'est bon, ok. Vas-y à patte. Quand c'est 30 secondes, tu vas... T'avances. Non, c'est bon, j'ai confiance. Il va faire une anti-tag là. Puis tu vas raise et tu vas taper le druide. Oh merde. Non, non, raise et mets-toi camouflé vers le poteau. Vers là où je suis au phare. Ouais, mais il s'éloigne pas. J'ai juste besoin de heal. Heal-moi, je vais les tuer, c'est humide. C'est juste des guerriers, ils ont pas de heal là. Ouais, oui, t'inquiète. C'est après que j'ai tué le deuxième guerrier, je passe sur le druide. Ah, nickel. Ah, il faut aller à la mine, je pense, ou au moulin. Ah, il est mort au moulin. Ils ont pas annoncé à temps. Mercator Cosmodance. J'ai même pas eu besoin de te dire ni son serveur ni sa classe que tu connaissais. Que dire le niveau du joueur. Et d'ailleurs, il peut plus écrire maintenant un champ de bataille. Guino, enfin Mercator. Il a été silence. Par bizarre. Je vais au moulin là. Il y a un druide. Oh, il y a un voleur en plus du druide. Je vais pas m'en sortir. Je suis au moulin. De retour à la mine du coup. J'aurais mieux ta vie sur son compte. Je sais pas si c'est à vie
ou si c'est une période de temps. Mais en gros, je soupçonne qu'il a été signalé trop souvent et que du coup il est silence, en fait il peut plus écrire sur le canal Instance. Parce qu'à chaque fois qu'on le voit, il écrit plus en fait. Il écrit plus rien. Ouais, reste avec le bus, je vais aller aider Moulin, le prêtre. Hein. Ça me donnerait limite envie de banquer 200 000 PO pour revenir, ça. Mais vas-y, reviens, Guino! Même si je râle beaucoup et que des fois les BG me démoralisent, on s'amuse quand même là. Ils arrivent deux, ouais, deux, trois phares. Hein. Il est tout seul le DK. Ouais, il faudra aller l'aider. Je vais aider le DK. Il doit tenir juste 20 secondes. Putain de druide de mes deux. Lâche-moi! T'as pas de stuff, qu'est-ce que t'essaies de me tuer? La première fois tu serais mort s'il n'y avait pas eu le voleur. Ah bah j'ai même pas eu le temps. Oh GG! J'aurais rempli mon temps de jeu à ce moment-là. Je vais dépenser toutes mes pièces d'or. Bon après je suis pas trop déçu parce que je l'ai fait par la suite. Hein. Une fois qu'ils ont mis activé les pièces d'or, les jetons en argent, je me suis fait plaisir. Focus le chaman. Sur le prêtre Shoka first, ouais, il est mort. Foxing. En général tu gères bien l'hôte quand même il me semble. Déjà c'était le brutosaur. Je pourrais faire mieux, mais j'aime pas trop faire du gold farm. Mon activité favorite, c'est les champs de bataille. Quasi comme ça, tranquille. Non, non, on va aller au phare, on fait le phare, allez tous au phare. Je def, je def. C'est grâce à l'enchantement que je me suis fait plein d'or.
Maintenant, pas tant, mais c'est surtout en début d'extension où je me fais le plus de thunes. Genre au début de Légion, j'ai dû me faire 10, 10-20 millions le premier mois là. Parce que les gens t'achètent des enchantements à 5000 PO l'unité, genre, ou des 1000 cristaux à 5000 PO l'unité. Vu que c'est rare de désenchanter des objets épiques au début de l'extension. Il y avait aussi un truc qui m'a rapporté beaucoup d'argent, c'était. Comment ça s'appelle déjà? Ce qui te permettait d'améliorer tes objets de craft. Il y avait un système de craft à Légion. Ah, je suis tout seul. Je suis tout seul. Seul, je vais mourir. Je vais tout claquer. Ok, Shoka first. Bah accepte-en une. Moi, quand j'étais sur FF, justement, je recevais plein d'invitations de guildes et j'en acceptais une là. Non, mais accepte. Accepte. Ça rapporte rien à la guilde d'être dedans, mais toi, ça te rapporte des bonus. C'est Deep qui se fait harceler, il a pas de guilde avec son prêtre et il se fait inviter tout le temps. Ah ben, accepte. En même temps, qu'est-ce que tu fais pour inviter des gens à ta guilde? Un ancien pote qui t'a vidé ta banque. Ils ont rien à annoncer. Ils étaient deux. J'aurais dû rester là-bas. Oui, ça va être ma target, les voleurs. Genre, sap, 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 putain, que c'est. Déplacer ces classes-là. Après on s'en sort au moulin là. Ça nous prend juste un peu de temps parce que on a plusieurs ennemis à tuer là. Une fois qu'on aura tué le prêtre et le druide, ça on va pouvoir tag.
Ah mais clairement, j'ai kiffé les JO. Je faisais tellement de poésie, ça m'a farmé pendant plusieurs semaines. J'étais l'un des seuls enchanteurs de mon serveur. Je faisais ma grosse paix. Je les vendais entre 10 000 et 15 000. Et maintenant, c'est un serveur de mort, j'ai la haine. Mes concurrents les vendent à tous à moins de 2 000 PO. J'ai même pu pavaner dans la rang à Légion en achetant la veuve noire. Et maintenant, je me dis qu'elle vaut quand même 2 ans d'abo, quoi. Ouais, je l'ai jamais acheté, moi, la veuve. La seule... J'ai acheté le Brutosaur pour une seule raison, c'est parce qu'il a l'hôtel des ventes, là. C'est tout, là. C'est un... Pour moi, c'était un investissement, le Brutosaur. Mais toutes les autres montures, je les achète plus maintenant. Si ça vaut plus de 200 000 pièces d'or, une monture, je l'achète pas. Genre, quand tu penses, là, les montures de la boutique, celles-ci, là, quand elles sont au rabais, quand elles sont au rabais pour 12,5 euros, elles sont moins chères que les montures en jeu. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein. Durant une fin d'année là, il y avait des soldes des montures plus mascotte à moitié prix pour 17,5 euros. Et ben j'ai tout acheté parce que ça coûtait moins cher d'acheter les montures de la boutique avec des jetons que d'acheter des montures en jeu pour genre 300 000 PO la monture au PNJ là. Je suis devenu radé à ce point, j'achète même plus les montures en jeu. En même temps, c'est quoi ces prix abusés, genre 500 000 pour un pauvre mammouth recoloré ou des grenouilles 330 000 que je sortirai jamais. Ou puis ça, je les prends pas. Genre celle-là, là. Boralus. Non? Pourquoi on peut pas avoir Boralus? Est-ce qu'il y a un moyen de décocher Hunter? Genre celle-là, 524 000 PO, jamais je l'achèterai. 330 000, jamais je l'achèterai. Il y en a 3. Ouais, celle-là, 500 000 PO pour une couleur différente de Narvocorn que j'ai déjà 10 millions de fois. Je le prendrai jamais. Après il y a les trucs PVP ça. Celle-là encore sur tiens. Celle-là 24 000 raisonnable. Celle-là je la prendrai. C'est en dessous de 5 000 je prends. Pas le kick le prêtre. C'est comment la 8.2 je crois. Les émissaires d'habitation ont eu des nouvelles montures à 70 000. Je sais pas encore, c'est arnaque. Ouais, c'est ce système là. Là. 70 000 x 10, c'est 700 000 pour 10 montures que j'utilise. Ouais, c'est exactement le même principe. À moins qu'il y ait une inflation de pièces d'or à l'extension prochaine ou genre tu gagnes des millions de pièces d'or en faisant des quêtes tout bêtement. Jamais je dépenserai. Mais d'ailleurs ils ont dit qu'ils allaient augmenter le nombre de pièces d'or qu'on reçoit via les quêtes à la prochaine extension. Mais ils ont pas dit à quel point ils allaient l'augmenter. C'est d'ailleurs leur raisonnement de pourquoi ils enlèvent le Brutosaur. Genre cette monture là, on pourra plus l'acheter au vendeur. Tu pourras l'acheter seulement au marché noir. Occasionnellement. Et la raison qu'ils ont donné, c'est oh, parce qu'il y aurait. Il va y avoir plus de pièces d'or en jeu à la prochaine extension.
via les quêtes, etc. Donc on veut pas que tout le monde ait des brutosaures. J'ai en plus de 300 montures, j'utilise en tout 3 différentes. Donc pour ma part, j'utilise plus que mes favorites. Genre je me suis fait, j'ai une dizaine de montures en favoris. Et c'est tout ce que j'utilise. Ah, poum, s'est fait buter de l'autre côté. T'as mieux un soi qui la supprime, même si je l'ai pas. Il la supprime pas, il juste il restreint l'accès là. Les gens pourront toujours l'acheter. C'est d'ailleurs, je comprends pas dans les anciennes extensions, les choses qu'ils ont supprimées pour soi-disant oh, c'est pour la gloire. Genre toutes les montures de gladiateurs que plus personne peut avoir, que t'as déjà 10 clampins qui les ont. Ou les montures de parrainage qu'ils ont mis zéro autre moyen pour les avoir à part ce système là. Au plus bon, c'est pas grave là. Je collectionne pas les montures hardcore. Il y en a tellement que je peux avoir juste en jouant. C'est celle que je me concentre dessus. Même si celles qui te demandent des millions d'essais sont assez relous à obtenir. Du coup, j'ai environ une dizaine de jetons à acheter au début de l'extension pour remplir mon porte-monnaie. Si je les achète aujourd'hui, ça me coûterait quasiment 2 millions. Alors que si j'attends la sortie d'extension et que ça baisse vers les 5000, ça va me coûter seulement 1 million. C'est pour ça que je patiente. On sait, ben, c'est arrivé qu'une fois là. Vu que c'est, on n'a qu'une extension depuis que le jeton existe et que on change d'extension. Donc est-ce que ça va faire la même chose? Probablement, mais c'est pas sûr à 100%. Ils sont si peu, ils sont tous allés aux autres zones on dirait. Ah ça je l'ai acheté un PO l'extension, ce serait un centime maintenant. Il te reste un centime. J'étais tellement concentré à ce que je disais que je suis pas du tout concentré sur le combat. Mais franchement, je suis très content moi du jeton. C'est l'un des trucs qui m'a fait vraiment me remettre dans le jeu à WoD. Genre sur la fin de WoD, j'étais pas tant motivé à jouer, j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis ils ont sorti le jeton et je fais quoi? Je peux jouer gratuitement enfin. Donc ça m'a remotivé. Ceci là il tue les DPS en arrière. Parce que les heals ils sont à l'escalier, ils soignent pas leurs DPS. Enfin, ils soignent un petit peu là, je les stun. Ils sont tous les trois collés l'un à l'autre, il suffirait un silence de zone et on se croirait contre des PNJ. Genre focus le prêtre qui est en haut là. J'en profite pour me saouler vite fait. Faut aller aider aux autres endroits.
Ils sont tous morts à la ferme. Mais là maintenant ils reviennent en force au centre. Donc il faut qu'il y ait une majorité des joueurs qui restent au centre, mais qu'il y ait 2-3 personnes qui aillent des fermes. On a besoin d'aide au centre. Je contrôle 2 îles là. Je peux pas faire plus. Un stun de masse sur 3. Je fais un petit tag au max. Je suis mort au marché. Ils ont retué Ortega avant que j'arrive. Le souci c'est qu'on... Oh, je pense qu'on est mieux de partir sur un autre point. Parce qu'on va juste mourir en boucle. Je vais aller essayer de prendre ruine. Parce que vu que là on revient petit à petit, ça va être tendu de tenir sur le long terme. C'est un chaman. T'as une 5 boulettes en l'air, tu lui mets midlife. Il est cheaté ce pouvoir. Par contre, si tu lags trop, ça bug. Et t'as même pas de. Ta barre qui se déclenche.
Au pire, regardez s'ils sont tous en train de quitter le marché là. Puis s'il y en a plus que deux ou trois, essayez de les buter. Nickel. Il y a Light Noodle qui est venu avec moi. Mais il n'y a personne qui attaque pour l'instant. Si, si, c'est pas comme Arati. Plus t'as de base, plus tu fais de points. Ok, on en a deux qui arrivent. Fois 3 DH. Ils ont un heal qui débarque. Non, on l'entend pas. Il faut focus le prêtre là où je suis. Ben, je suis tout seul avec un heal. Deux heals. On va perdre. On va perdre ruine. Il faut aller marcher. Ouais, ils fonctionnent en bus pas mal ces joueurs là. Du coup le marché doit être en sous nombre. Ouais, ils sont tous quasi en partie. Artega qui se fait agresser sur la route. Il les a fait tomber en bas. Je vais retenter, on est déjà à nouveau des ruines. Il y a un seul ennemi, un DH. C'est un DH tank. Il va être loin à tuer lui. Oh yeah, héroïsme! Pour l'achever, il faut que je m'envole. Comme ça, il pourra plus soigner. Il m'a volé mon kill, paladin. Tout le temps que j'ai passé à le taper, le tank.
C'est un mur à moitié invisible ce truc. Ça revanche. Ah ah! Ce heal, j'étais même pas au cac. Bon, des hashtags, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour du 1v1. GG. Comment ça, je suis premier aux dégâts? Je passe ma vie à FK à côté du drapeau. Non, ils ont chopé le marché. Regarde-moi ces kills quoi, je sais pas comment on a fait pour gagner ce BG. Genre, le plus haut en victoire honorable, il en a 12 victoires honorables, 5 kills. Moi j'en ai 5 kills aussi, 7. En gros j'ai tué quasiment tous les ennemis sur qui je tapais, mais tout seul dans mon coin. Tu cherches à faire des façons compliquées. Quand tu te connais pas ta vocabulaire, vas-y simple. Tu fais ce que tu dis. C'est ça. Alors t'aurais pu m'écrire deux mots, ça aurait été pareil. Hein. Juste, je suis déjà dedans. Already in. Je vais mettre Benet Protec. Ah fuck, j'ai récupéré le truc avant. Je comprends pas pourquoi le moine n'est jamais ralenti par mes attaques. Pourquoi? Pourquoi? Genre, chaque fois que je fais l'âme, il est ralenti, mais apparemment il les enlève tout le temps là. En plus j'ai le match sur la gueule qui m'embête. Hein. Oh mais on a 5 bases. Ok, on continue, let's go. En secondes on gagne si tout le monde défend.
Tiens, y'a personne qui est resté en haut à gauche. T'es sérieux là? Y'a juste une personne à rester là-bas. Juste pour s'assurer d'avoir le flag pendant les 20 secondes. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Et là, y'a quelqu'un qui a pas défendu le sud, bordel. Le voleur qui s'est barré. Ouais, mais on aurait pu finir le BG en 5 secondes. Genre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un seul joueur qui est resté là-bas. J'aurais dû courir de suite. Ils vont les prendre les 5 bases, puis on va perdre 1480 à 1500. Bon, GG. Ah là, c'était un massacre. L'inverse du BG précédent. Mais d'ailleurs, il y a un mec qui m'avait fait une réflexion sur ça là. Un gars qui était jamais revenu par la suite en PVP. Et j'avais passé une annonce, Battle.net ici là. Comme quoi on avait de la place pour les champs de bataille. Et il m'avait dit, c'était quoi, il y a 2-3 mois. Oh, t'es pas obligé de passer une annonce sur tous les jeux. C'était tel comme maintenant con. Parce que quand tu passes une annonce là-dessus là, c'est tu passes une annonce à tes contacts. Donc c'est forcément à tous les jeux. Genre tu peux pas choisir seulement une annonce à mes contacts de WoW. Et du coup je l'ai enlevé direct lui par contre de mes contacts. Voilà. Il est jamais revenu et il aime pas mes annonces, mais qu'il m'enlève lui-même, qu'il me fasse pas une réflexion là. Cette fois, faut pas trop chercher avec les gens. C'est pour ça que je cours pas après ceux qui m'ont déjà dit non plein de fois. Et ok, dommage. Et du coup, s'il y a des gens qui t'enlèvent de tes contacts, probablement tu les saoules à force de leur demander. Ou autre réseau X. Ah, surtout que ces annonces là, elles sont lisibles que si tu vois ta souris sur le pseudo du mec. Je pense qu'il était en train de jouer à un autre jeu. Du coup, peut-être que c'était affiché différemment et ça l'a dérangé dans sa partie là. C'est pour ça maintenant, quand il y a un nouveau joueur qui arrive sur le stream, je l'ajoute pas de suite en contact là. Je lui dis ah, mais c'est quoi ton pseudo là? Puis je l'invite. Il demande son pseudo directement là. Puis si la personne revient plusieurs fois, qui est régulièrement là, ok, bon là tu peux m'ajouter. On est tous là. Je vais l'aider au bateau. Je refais le buff intel. Bien, bateau, ça va, ils l'ont eu.
Ouais, ça la tour, ils sont pleins. Bah, c'est pas grave, on va prendre le centre et le bateau là, à nouveau. S'ils veulent être tous au même endroit, on a qu'à être tous sur les deux autres. On attaque le premier qui arrive. Bon, c'est bon, on a ces deux-là. On retourne au centre. Il va se cacher derrière le rocher pile. Ah, c'est vrai qu'on peut pas ship les druides même sous cette forme. Mais jamais de proc ou quoi? Allô? Et paf le paladin. Là, il va être se faire tuer avant même que j'ai fini mon cast, c'est fou ça. Y'a personne à l'est. Pourquoi on se répartisse? J'ai un paladin heal qui s'en vient sur moi. Attends, je le ship. Stun le maintenant. Ah, oh, putain, le démon qui arrive par derrière. Je lui vole sa Bene Protec. On passe sur le paladin. Ok, je le contrôle le paladin alors. Fini le paladin, il y a 2 PV. Ah, tape le paladin moi. Il passe à côté de toi mais t'as fait. C'est bon, je vais chercher. Je vais chercher le. Oh, saloperie de pète. Ah, oh, maintenant il y a un DH qui vient de débarquer. Bon, j'arrête de vouloir miner moi, je me fais agresser tout le temps. Je suis sur le pas d'un heal là. Il y avait un paladin heal. Il y en a un deuxième. Tu vois là c'est un BG où on a tellement de dégâts que j'ai pas le temps de cast.
Ils sont très faibles à un niveau d'honneur. Bah ça veut déjà dire que c'est des gens avec peu d'expérience. Qui font pas beaucoup de PVP. Ouais mais quand t'as 4 mecs à moins de 10 de niveau d'honneur, c'est peut-être 4 potes ou 5 amis qui ont repris le jeu. Qui viennent juste d'être 120, qui sont tous un stuff. Et c'est pour ça qu'on les roule dessus là. Oh, je fais juste des ventes là, tranquille. C'est ça aussi que j'adore avec l'enchantement. Tu peux faire tes crafts juste avant le début du BG. Bim bim. C'est un compte à ta rareté, Zen Quick. Suis Arte, reste avec lui. Moi je viendrai vous aider si je vais mal. Toi je peux pas être bien loin d'un guerrier. Prends pour Cornivore Melarina, Tourbilol, Tourbilol. C'est bon, on a eu les deux porteurs. Je reviens vers vous. J'ai plus de fear pour aider Zen Quick. Oui, oui, déjà fait aussi. Je peux plus utiliser. Mais c'est bon, là on a le centre. Maintenant faut pas oublier les orbes. Mais c'est bon, ils sont allés chercher. Faudrait une pointe sur le paladin heal. On a un DK avec nous, mais il le fait pas. DK de l'autre côté avec l'orbe. Je rebuff. Mais non, qu'ils reviennent! Voilà, c'est ça. On entend juste un poignet. On fait une poignée de temps en temps. Un chasseur survit. Est-ce qu'il peut me tuer? Je sais pas. Ah, c'est sûr que s'il a de l'aide, oui, il pourra. Il retourne dans l'arène, notre tank. En fait, j'avais plutôt propre interface, c'est Bartender ça. Yep, Bartender 4. Avec Shadow Unit Frame pour barre de vie. Les barres de vie du groupe et la mienne. J'aime beaucoup le minimalisme. Genre, par exemple, les icônes, elles sont zoomées là, il n'y a pas de contour. Oh, GG! C'était un massacre. Parce que l'un des trucs le plus important dans WoW, c'est la visibilité là. Trop souvent, j'entends oh, je vois pas de quoi tu me parles, je vois pas ça, je vois pas ci. Allô, optimisez votre interface.
HHTD, c'est Healer Have to Die. Non, j'utilise pas. Je l'utilisais pendant un moment pour identifier les soigneurs, mais avec Battleground Enemy, je l'ai déjà sur ma droite. Ça aide pour un peu plus de précision. Tu vas pouvoir où ils sont physiquement en 3D sur ta map là. Enfin, en face de toi, je veux dire. Mais j'ai une bonne vision sur ça. Mais c'est sûr que ça aide. Il y a trois chamans LM. Ils vont être relous avec leur lasso. Invisible. Non mais t'es fou, boum, qu'est-ce que tu fous? Notre seule île qui va en mêlée, tu vas te faire défoncer. Je fais l'héroïsme après ça. Non mais c'est un suicidaire, c'est deep. C'est bon, on a tué le prêtre. Comment ça, il est pas mort lui? Je sais pas qui reviendrait sur moi. Ah, je suis trop loin. C'est bon, on continue comme ça, là, ça va bien. Il y a notre DH qui allait prendre le flag. Attention, il y a un chaman qui passe. Faut que tu remontes ces deep en défense. Avec le porteur. Oublie-le, le guerrier, je le contrôle. Il y a le chaman qui descend la pente. Ah, mais t'es sérieux, il a pas marqué. Faut aller l'aider, faut que tu le soignes. Il est en haut le voleur. Gosok. Non, non, je lui ai dit d'aller sur le socle. Allez, guerrier, tue-le, Melar. Ok, nickel. Ils sont pas bons en face, hein? Je sais pas comment on fait pour s'en sortir. Ouais, j'ai vu ça. Je le ship. Attention, il est en train de passer notre leur porteur sur le pont. On a un de nous. Ouais, vas-y, stun, stun.
Il y avait un mec encore dans notre base qui a repris direct. Le voleur. Lui il passe par la gauche. Tu viens avec moi papa? On fait team récupération. Pogne-le, nickel. Je ship le chaman. Je re-ship le chaman. Je ship le démoniste. Je peux pas y ma CS. Arro CS. Voilà, c'est évident. Non non. Ouais je te vois. Plus qu'à VH là. Ah non, c'est pas ce qu'on fait depuis tout à l'heure avec ces babalites, on est en full défense là. On est en mode non, c'est notre flag, vous passez pas. Il n'y a pas un seul qui a réussi à traverser la moitié de la map pour l'instant. Faudrait un peu le voleur à passer par contre. J'arrive vers toi. Baby boom. Non, tête. Le rogue il est mort. Mais les hors d'eux ils ont pas passé à prendre le flag. Bande de noob. Ah ouais, j'aurais pas cru au début en voyant leur équipe et notre équipe. Hein. Et c'est GG. Je fais pas de dégâts, mais je tue les gens. C'est tout ce qui compte. Attends, je vais prendre le truc de porteur. Au cas où. Avec les points que j'ai, je pourrais 3 fois le VIP. Si tu utilises le VIP alors que t'es déjà VIP, je te mets à modérateur pendant un mois. Comme ça, tu peux ban les gens si tu veux. Wow. Oui. Moi, je vais chercher le flag. Le voleur il est là-bas. Il y a Vulcanus qui me suit. Je peux ban le streamer s'il rage trop. Non, tu peux pas. Oh, ils sont 3. 4, ils sont 4 en défense. What the fuck?
Ah bah merde. Il y avait un piège de givre. Il faut moi, j'ai besoin d'aide pour me. Je suis immobilisé. Grippe, grippe. Yeah. Ce teamwork. Enfin, Xeno qui veut être modo. Ah ben oui. Xeno veut être modo. Ah ben là, t'as acheté. Maintenant, c'est ça, t'es modérateur. Quand, après le BG, quand je pourrai te le donner le rôle. J'avais dit qu'à 31 000, j'achèterai. Boum, t'es où? Je me meurs. Je reviens vers toi. En fait, c'est bon, il y a le voleur qui s'est cassé la gueule, ce noob. Je remonte. Ouais, mais là. Quand tu es modo, t'as les points limités en plus, non? Je pense pas. Non. Les points de chaîne, c'est juste. Ça change rien que tu sois modo ou VIP. C'est seulement si t'es abonné que tu gagnes deux fois plus de points de chaîne. C'est bon, ce coup-ci je suis sur le socle. Vu que je sais pas quoi faire des points. Alors slash mod TNW. Voilà, ça y est, c'est fait. Je veux mon grade. Putain, on a deux modes ce mois-ci. Slash mod Azria. En plus j'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas, j'ai plus mon mes en-têtes sur Chrome. C'est de retour. Ah que coucou. Comme ça vous pouvez vous bannir l'un l'autre si vous voulez, Xeno et Az. C'est le premier qui tire qui gagne parce qu'ensuite le second il peut plus rien faire. En fait je sais même pas. Est-ce que si l'un de vous se fait ban, est-ce qu'il peut s'auto-unban? Je dis qu'il y a besoin de tests pour la science. Pourquoi elle a rage quitte à Asian Girl là? On gagne. Ah merde, j'ai pas cliqué sur le flag. Je connais même pas. Bah du coup, tu dois taper dans le chat slash ban B-A-N. Ensuite, tu fais un espace. Puis là, tu mets n'importe quel pseudo. Viens, on fait un pierre feuille ciseau et celui qui gagne ban l'autre. D'ailleurs, je crois qu'il y en a des options pour faire pierre feuille ciseau. Je suis un BG, PTDR. On a converti à Xeno. Il a accro maintenant au sang. Peu de sang. Et moi je suis un petit chaman en train de manger des os.
le jet. Je fais le choc pour la mission, mais j'ai perdu. Bon, au final, la quête Xeno, c'est une perte de temps. Hein. Parce que ça donne à peine 50 points de conquête, ou 65 points de conquête. Puis t'es mieux d'aller faire, mettons, tes 25 kills ovales avec surmonter l'insurmontable, la quête du bateau, pour avoir 150 points. Ah, mais elle était déco en fait, Asian Girl. Elle a pas rage quit. J'avais écrit à quitter le groupe d'instance, mais c'est parce qu'elle était déconnectée. Puis là, il y a un autre île qui nous rejoint, alors qu'on gagne. Je peux donner ça à n'importe qui parce que je regarde un peu ce que je peux faire. Tu peux aisément casser un stream. Bah, vous êtes pas n'importe qui, Xeno et Az. Vous êtes des VIP. C'est sûr, par contre, mettez pas. Kickez pas n'importe qui là. Si Imeric se pointe, par contre, tu peux le faire, Az. Parce que Imeric, son objectif c'est de devenir mod pour se venger des gens qui l'ont banni dans le passé. Du coup, ça lui fera un objectif supplémentaire pour devenir mod pour pouvoir se venger sur toi. Ah! Ah ben c'était bien ce BG, j'ai fait tellement de dégâts, regardez ça, 900 000. J'ai quand même tué quelqu'un. Non, c'est Star-Lord dans Avenger. Pas Fat-Lord. C'est la version rabais. C'est Carnatos. Mais je comprends que la plupart des streams sont comme ça. T'as beaucoup plus de gens qui lurquent dans les ombres que de gens qui écrivent. Genre moi j'écris, moi par exemple quand je vais voir des streamers j'écris rien. Genre éventuellement si c'est des streamers français j'écris allô, bonjour et c'est tout là. Mine ou Siri. Moi je vais rester à la forge défendre. Ah bah tu peux aller les cuisses si tu veux. Ah bah la mine, ils sont tellement beaucoup nombreux qu'ils devraient l'avoir, non? Ils sont 7 à la série, ouais il faut aider les cuisses. Si, il se fait attaquer. Je vais regarder, mais on peut pas se battre entre nous les modos. Il n'y a pas l'option. Il va me tuer le... Le DH juste un vol. Même si tu fais slash ban à Azrael Barbu, Xeno, ça fonctionne pas. Ah, peut-être qu'ils l'ont justement bloqué ce truc là. Genre les mods peuvent pas se bannir les uns les autres.
J'ai besoin d'aide à la forge. Eh bien, ils ont toujours pas raise. Putain, j'ai raté de la seconde. Ils ont réussi à choper la forge. Non, ça marche pas. Ok. Oh, bah, du coup, c'est bien fait là. Vous pouvez pas vous bannir entre vous. L'utilisateur que vous essayez de bannir n'existe pas. Bah, tant mieux. Moi, bon, je vais essayer d'aller retourner à la forge pour me venger. En même temps, il n'y a personne à mine. Reste à la mine. Ah, je peux. Par contre, j'ai test, je peux pas ban ses deep. Justement, il dit qu'il peut te ban. Le pauvre. Après, il va déjà que le jeu le perd tout intérêt. Il va plus venir sur mon stream là. Genre, je peux ban personnalisé, ban une seconde. Je vais ship le démoniste. Y'a Fat Lord avec nous. Pourquoi le mec le moins équipé du BG il vient nous aider? Merci à lui, mais faut pas y en avoir un autre là. C'est bon, on a eu le moine. Oh, je suis mouru. C'est pas grave, je reviens. Ça lui apprendra. C'est quand même triste, hein. Avec 80 personnes qui sont venues aujourd'hui, j'ai pas eu un seul follow. Hein, que je réalise. C'est pour ça qu'il faut pas trop regarder les stats, là. Parce qu'à chaque fois que je regarde les stats, ça me démoralise. Je sais ça, il y avait tellement de gens qui sont passés. Puis pas de nouveau follow. Je suis déjà follow, lol. Je sais Karna. Ah, ça va, on gère, on le gagne easy ce BG. On a les 5 bases maintenant. En plus, juste en faisant un clic sur le nom d'une personne, vous pouvez voir depuis quand il follow la chaîne. C'est comme ça que j'ai su que c'est deep et il me suivait même pas depuis 2 ans. J'ai cliqué sur son nom et puis là, il y avait même pas écrit la suivi. J'étais à quoi? Fait ah bon, j'ai pas suivi. Oh. Qui c'est qui a fait ça? Ah. Merci Kezia le best pour le follow. C'est super gentil de ta part. C'est Xeno qui a fait un nouveau compte. Non mais c'est bon, pas besoin de gonfler mes stats, hein, j'ai pas besoin de robot. Hein. Je suis démasqué. December 2019, pas si vieux que ça. Eh quand même, un an. Moi ça fait plaisir de voir les gens qui viennent depuis un à deux ans et qui viennent pas de temps en temps. Là.
Mais tes doubles caisses, dans 3 jours, je serai abonné depuis un an. Oh! Mercredi, ça vient?